Jem Gosling, son écosystème. Peut-être ça vous dit quelque chose. Oui, non. On va pas faire un débat parallèle. Mais écoutez bien. Bonjour mesdames et messieurs. Vous êtes bien sur la page de JB95, connue sur les autres réseaux sociaux tuto JBDoc. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Une semaine les gars, vous le savez. N'oubliez pas de partager l'amour autour de vous. Ce qui est très important et faites très attention à vous. Bon, le programme 2024, vous le savez les gars, c'est la discipline. Discipline. 2023, c'était motivation, mais cette année, ça va être la discipline. Alors, un grand merci à Ibrahim. Il a choisi, les gars, le lundi 18h45 du Java, un petit projet. On va suivre le programme à la lettre, etc. Le mercredi, on va parler un peu de business, d'argent, machin, etc. Le vendredi, du Python, toujours le programme, des projets, des tutos, c'est bien. Aujourd'hui, on va parler un peu par rapport avec le programme. De toute façon, vous allez voir, restez jusqu'à la fin pour ne rien rater, ok? Parfait. Mais bien avant que je commence le programme avec vous, je vous ai quand même parlé d'Oracle, Jem Gosling, son écosystème, Java. Quand même, je vais vous expliquer. Générique, c'est parti. Bon, c'est toujours important les gars de savoir ou plutôt de connaître l'histoire d'un langage de programmation. Et oui mon gars, je sais pourquoi je le dis. Parce qu'il y a des histoires, c'est incroyable les gars. Ok, l'histoire de Java. Oracle, ça commence à partir de là. Oracle, c'est un langage de programmation inventé par Jem Gosling. Oui les gars, ce monsieur-là. Toujours dans les années 1990. Franchement, il y a tellement de choses qui sont passées dans cette année-là. C'est incroyable. 1991, Jem Gosling, Oracle. Ok, tout est aligné en fait chez son microsystème. Alors qu'est-ce que c'est son microsystème? Microsystem, c'est une entreprise informatique américaine. En base, en fait, c'est de créer des applications embarquées. Est-ce que vous voyez la télé et tout, etc., télécommande, machin, etc.? En fait, à la base, c'est ça, en fait, son écosystème, c'est de programmer des logiciels embarqués et tout, etc. On utilisait Oracle. 2023, comme je vous ai dit, motivation, et 2024, ça va être la discipline. Bah, à l'époque, là-bas, chez son écosystème, nouvelle génération, il s'est dit, bon, vas-y, les gars, on va créer d'autres choses. On va améliorer les choses. Dit amélioration, dit pas mal de changements, etc. Jem Gosling, à l'époque, il y avait d'autres langages. On penchait sur le langage de C++. Jem Gosling s'est dit, j'aime pas trop et tout, etc. Je préfère créer un autre langage. Parce que lui, à la base, il sait coder et tout, etc. Et voilà, de toute façon, vous le savez, c'est lui qui avait créé le premier langage, tu vois. Donc voilà. Et puis voilà, tout le monde s'est mis d'accord et tout, etc. Et puis, ils ont créé Java. Je sais, voilà, je suis pas fait pour raconter les histoires, les gars. Mais ça commence à partir de là, tu vois. C'est de Oracle, tu vois. Donc voilà, nouvelle génération, dit on va changer pas mal de choses, etc. On n'aime pas trop ce langage, et voilà, et tout, etc. C'est Java. Donc, dans tous les cas, les gars, on remercie Jem Gosling parce que normalement, sans lui, en fait, Java que nous avons en ce moment. Bon, et oui les gars, ça c'est l'histoire et tout, etc. Après, il y a pas mal de trucs par rapport à ce qui s'est passé vraiment, mais si vous kiffez en fait Java, n'hésitez pas à faire des petites recherches, franchement, c'est cool quand même les gars. Non, c'est incroyable les gars, c'est incroyable. Parfait. Maintenant, le programme de 2024, exactement mon gars, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui, ok? JB295, programme 2024, discipline. Pourquoi JB295? Normalement, je sais pas est-ce que vous avez regardé ma toute première vidéo de cette année, où je vous ai dit comment ça va se passer et tout, etc. À la fin, j'ai dit que voilà, la formation, c'est à partir du mois de mars. Alors, dans la formation, c'est ces chapitres que voilà, je vais voir avec vous. Mais après, je me suis dit, bon, JBM95, c'est la vie, on sait jamais comment ça va se passer et vous aimez vraiment vos abonnés, les gens qui suivent autant que eux, ils vous aiment. Donc, en gros, pourquoi tu ne sors pas vraiment le programme en plein comme ça? Si au moins t'as pas assez de temps, mais au moins ils ont quand même le programme. Est-ce que vous comprenez, les gars? Vous avez quand même le programme, voilà, être discipliné cette année. Et si vous suivez, les gars, ce programme, et croyez-moi, les gars, non, mais écoutez, si vous suivez à la lettre, ce programme va faire une différence avec ce programme et vous allez être choqué. Non, mais je vous dis, les gars, et vous allez être choqué. Ok, donc en gros, comme je vous ai dit, je me suis dit, bon, JBM95 sort le programme. Ok, et aussi, toujours les gars, 18h45 le lundi, c'est très important en fait. Écoutez-moi bien, toujours 18h45 le lundi. Si j'aurai pas le temps, parce qu'on sait jamais, dans la partie de communauté, d'ailleurs, un grand merci pour les votes. Dans la partie de communauté, j'ai quand même sorti une annonce qui va dire que voilà, je ne pourrai pas et tout, etc. Voici telle chose et tout, etc. Regarde bien ce que je vais vous montrer, les gars. Ok,
des exercices. Et oui, les gars, cette année, il va y avoir des exercices. Et les gars, regarde un truc. Ça vous dit quelque chose? Mais ok, si ça vous dit quelque chose, il n'y a pas de problème. Moi, je vais pas dire grand-chose aujourd'hui. Ok? Donc, si ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à me suivre de l'autre côté. Les exercices, les gars, ça va être récompensé, les gars. Ça va être récompensé. Bon, bref, voici le programme, les gars. C'est variable et type de données, opérateur arithmétique, structure de contrôle, tableau, les chaînes de caractères et tout, etc. Grosse surprise, les gars. Écoutez bien, grosse surprise. Dans chaque chapitre que je vais faire avec vous, on va faire ensemble. Il va y avoir toujours un petit projet que personnellement je vais faire avec vous. Et ce projet va être sur Swing, les gars. On va parler un peu de variables et types de données. Et boum, un petit projet où on va appliquer les variables et types de données. Opérateur arithmétique, boum, un petit projet. Non, mais oui, les gars. Et pourquoi je le fais? Parce que notre cerveau, il a besoin de ça. Votre cerveau, il a besoin de ça. Ok? Et après, aujourd'hui, je vais vous mettre deux, trois petits trucs, machin, etc. Dans l'introduction de Java, Java, c'est un langage de programmation polyvalent, populaire et dit polyvalent. Il y a énormément de choses. Plateforme indépendante, orientée objet, sécurité, grande communauté, bibliothèque, utilise. Non, mais ça va être une dinguerie, les gars. Et aussi, écoutez bien, je travaille sur un site. Donc, comme ça, si vous n'avez pas assez de, voilà, de documentation, etc., mais sur le site de JB95, tout ça va être exposé. Tu vois? Donc, vous pouvez venir du lundi au lundi. Il y a 52 lundis. Là, on a 26 chapitres. Vous voyez? Vous vous dites, ok, non, JB95, c'est un bon. Mais il a raison. Là, il nous a donné le programme du lundi au lundi. Si on se dit, ok, bon, vas-y, je vais faire 2 heures de temps ou bien 7 heures de temps par chapitre, ou voire 10 heures de temps, je trouve un moyen pour, voilà, pour gérer mon temps et boum, j'applique. Tu vois, j'applique et je fais des exercices. Et non, mais les gars, moi, je vous dis, au cas où j'ai pas assez de temps, vous voyez, mais JB95, ça fait un moment, il vous montre pas mal de choses. Là, les gars, c'est à vous. Et ensuite, je vais faire pareil pour Python, les gars. Le programme, les gars, qu'on va voir ensemble cette année. En gros, les gars, soyez à l'heure. Premier arrivé, premier servi. Vous avez des questions. Premier arrivé, premier servi, les gars. 18h45. Ok? Donc, comme je vous ai dit aussi, on va pas faire des vidéos très très longues. Et c'est des vidéos où, voilà, personnellement, et voilà, de 10-15 minutes et tout, etc. Pour vous expliquer comment ça va se passer. Et aussi, les gars, je sais que très bien, il y a vraiment le problème au niveau de JDK, JRE et IDE. C'est quoi la différence? Il y a une vidéo sur la chaîne. Et aussi, ici, je vais mettre un lien pour vous. Comme ça, vous pouvez lire un peu et vous pouvez regarder le programme et directement. Et pendant ce temps, on travaille en interne pour les choses, etc. N'oubliez pas, les gars, de partager l'amour autour de vous. On se dit mercredi pour des informations. Ça va être encore plus clair, les gars. Et voilà, c'était votre gars JB95. On se dit à la prochaine à 18h45. N'oubliez pas, de l'autre côté, dans la partie de communauté, beaucoup d'informations qui vont sortir. Ciao. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I do.